Bienvenue à la prière pour la patience et le calme. C'est une prière que j'ai préparée où j'aimerais prier pour n'importe qui dans le son de ma voix. Tout ce que je vous demande, c'est d'être d'accord avec moi pendant que je prie et ensemble, nous chercherons notre Père Céleste. Nous laisse prier. Père Céleste, nous nous rassemblons et nous mettons d'accord au nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ. Là où deux ou plus sont réunis là-bas, vous serez au milieu de nous et tout ce dont nous sommes d'accord vous touchera sûrement. Père, au nom de Jésus, il n'y a pas de distance de l'esprit et nous te remercions pour la personne pour qui je prie qui désire une prière pour la patience et le calme. Père, il te demande pardon chaque fois qu'il laisse l'impatience les prendre. Pour ces moments où ils ont abandonné alors qu'ils auraient dû être patients et garder le cap en vous faisant confiance. Ils admettent qu'ils ont besoin de vous faire confiance pour faire ce que vous avez promis de faire. Nous lions et réprimandons tout ce qui peut permettre à cette impatience de se produire. Montrez-leur Seigneur où ils doivent faire un ajustement dans leur vie afin de rester calmes. C'est par la foi et la patience que vos promesses s'accomplissent comme il est dit dans Hébreux chapitre 6 verset 12. Aidez les Saint-Esprit à se transformer de l'intérieur et permettez aux patients de grandir en eux. S'il vous plaît, aidez la personne pour qui je prie à développer sa force dans ce domaine au nom de Jésus. Donne-leur la grâce, Seigneur, de tenir la ligne jusqu'à ce que tes promesses se réalisent dans leur vie. Louange, Seigneur, tu es fidèle. Nous décrétons et déclarons qu'ils sont forts en patience. Nous décrétons et déclarons qu'à mesure qu'ils apprennent à vous faire de plus en plus confiance, l'attribut de la patience se développe et se renforce comme jamais auparavant. Merci sur qui on peut compter. Comme Abraham et la situation impossible à laquelle il a été confronté en ayant un fils à un âge si avancé, ils savent que vous qui avez promis est fidèle pour faire l'impossible dans leur vie aussi. Ils peuvent rester calmes sur qui on peut compter. La personne pour qui je prie est convaincue que lorsqu'elle demande quelque chose avec foi, croit qu'elle reçoit et reste patiente, ce n'est qu'une question de temps jusqu'à ce qu'elle se réalise. Nous déclarons une patience et un calme abondant dans leur vie maintenant au nom de Jésus. Nous croyons et recevons tout ce que nous avons prié et vous rendons gloire à l'avance car cette prière est exaucée. Au nom merveilleux et précieux de Jésus, nous prions, Amen.